Oui, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au comité plénier public du 28 novembre de l'arrondissement de Fleurimont. Donc, la séance est ouverte. Tout le monde a reçu l'avis de convocation. Oui. Donc, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que ça convient à tout le monde ou il y a des ajouts à faire? D'abord, parfait. Ce qui nous amène au point 4.1.1, lecture et adoption du procès verbal de la rencontre numéro 4 du 24 octobre 2022. Donc, le procès verbal était disponible, on l'a lu. Mm-hmm. Ça convient à tout le monde. Parfait, merci. Donc, le prochain dossier, c'est le dossier 5.1.1. Donc, on a avec nous M. Paul Chapdelaine pour venir nous présenter les requêtes en circulation, l'analyse et recommandations du service des infrastructures urbaines pour l'arrondissement de Fleurimont. Il y a combien de cas? Cinq. Cinq cas. Oui. Donc, vous allez y aller un cas à la fois pour poser des questions. Oui. Merci. Alors, bonjour tout le monde. La première requête est située sur la rue Cartier. Et l'analyse et les recommandations du service des infrastructures urbaines dans ce cas-là, on veut installer une campagne de sensibilisation en 2023 sur cette rue-là en particulier, considérant que la vitesse moyenne mesurée, là, il y a eu des études de vitesse, est de 37 km/h. Donc, on va aller de l'avant avec une campagne de sensibilisation pour cette rue-là en 2023. Est-ce que ça convient à tout le monde? Super. Donc, la suivante. Oui. Alors, la deuxième, moi, j'ai la rue du Terroir. Alors, également, dans cette requête-là, le service des infrastructures urbaines, dans son analyse et sa recommandation, veut qu'on aille de l'avant avec une campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse à l'été 2023. Et considérant que la vitesse moyenne mesurée est de 38 km/h pour un débit de véhicules de 180 véhicules par jour. Alors, c'est la recommandation et l'analyse du service des infrastructures urbaines pour la rue du Terroir. J'avais justement qu'une précision parce que dans la fiche, c'était marqué sensibilisation citoyenne et sensibilisation de la ville. Sensibilisation de la ville, je me demandais, ça fait référence à quoi? Bien, c'est tout simplement, j'ai réécrit exactement ce que le service des infrastructures urbaines avait inscrit dans sa recommandation. Donc, ils ont ajouté là, des termes. Et autant, ça va être ensemble, avec la ville et les citoyens vont participer à la campagne de sensibilisation. OK. Ça va être rehaussé par la ville, si on peut dire. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup. Ensuite, la prochaine, j'ai la rue des Diamants. Ou encore là, l'analyse et la recommandation du service des infrastructures urbaines recommande de faire une campagne de sensibilisation pour réduction de la vitesse à l'été 2023, considérant que les vitesses moyennes mesurées est de 43 km/h. Et donc, on va vers la mitigation lorsqu'on a des vitesses mesurées moyennes entre 45 et 55 km/h. D'accord, je pense qu'il y a des questions. Observations et questions que vous avez, peut-être que vous n'aurez pas les réponses, mais je tiens à les soulever pareil. On a vu la rue du Terroir avant, où la vitesse moyenne mesurée était de 38 km/h. Sur des diamants, c'est 43. Dans mon livre à moi, il y a beaucoup de différences de vitesse. Donc, ça roule plus vite sur des diamants que sur du Terroir. Et on fait la même campagne de sensibilisation, donc, pour dire au monde de ralentir. Moi, j'ai des citoyens qui m'ont approché pour me dire que les câbles par terre dans la rue, ça a duré 4h30 un dimanche après-midi en plein été. Je ne crois pas que c'est le bon temps pour prendre des mesures de vitesse, ni la bonne saison, un dimanche. Donc, je mets un petit peu en doute cette évaluation-là, mais de toute façon, même si je la mets en doute, ça ne changera rien. Je trouve qu'il y a une différence entre 38 km/h et 43. 43, c'est très près du 45. Oui.
Donc, est-ce qu'une campagne de sensibilisation qui sera faite au printemps fera la job? J'en doute. J'ai même demandé au service de police de faire du radar pour être en mesure là, de vérifier. Il y a des autobus de la STS qui passent là, des autobus scolaires. L'arrêt ne se fait pas. Alors, moi, je suis un peu déçue de voir ce résultat-là. Mais on peut demander au service des infrastructures urbaines de réanalyser la demande ben, et la si, requête. Si on demande de réévaluer la requête, ben, qu'on le fasse dans des temps propres, sur une période de temps plus longue. Si, par contre, ça a été fait sur plusieurs jours et non pas juste une journée, tant mieux, mais qu'on me le dise. Et ce serait important de l'avoir, ça, dans l'analyse de nos requêtes. Oui, c'est disponible, d'ailleurs. Mais on devrait l'avoir dans notre requête, dans la réponse, pour dire ça a été fait de telle date, en telle heure et telle heure. Déjà, ça nous empêcherait de chialer, nous autres, les conseillères et conseillers. Plus on a d'informations, mieux c'est. Mais oui, on pourrait le retirer et redemander une évaluation. Moi, j'apprécierais. S'il n'y avait pas tant de différence entre 38 km/h et 43, je dirais bon. Ouais. Mais moi, je considère qu'à 43, c'est proche du 45, pas mal. Ouais, les études de vitesse se font sur quelques jours, 2 à 3 jours. Et généralement, ce n'est pas fait l'été, là, quand c'est tranquille. C'est fait à des périodes, justement, critiques. Souvent, c'est l'automne où là, on a la masse critique de voyageurs. Pourquoi, dans ce cas-là en particulier, ça a été fait à ce moment-là, je ne peux pas répondre. Bien, on pourrait aller chercher les informations, puis moi, je demande une évaluation encore. Oui, c'est noté. Merci. Donc, est-ce que vous voulez qu'on retire le dossier pour ce soir? Oui. OK. On va le retirer pour ce soir. Parfait. Merci. Merci. Oui, alors, la prochaine... au coin de la rue Vénus et Concorde, il y avait quelques requêtes, deux, là, pour exactement la même situation, la même problématique. Et la recommandation et l'analyse du service des infrastructures urbaines, c'est qu'il manque de visibilité parce que la demande est d'installer des panneaux d'arrêt. Sur chacune des rues, il y en a déjà, mais sur Vénus. Et donc, le service des infrastructures urbaines a noté qu'il y a un manque de visibilité à cause des végétaux, des haies de cèdre et des arbres qui sont dans le triangle de visibilité. Et il y a un article assez précis dans le règlement de zonage qui détaille comment ça doit être aménagé. Alors, le SIU a fait une demande auprès de service planification et gestion du territoire pour qu'un inspecteur puisse aller faire la vérification et aviser les propriétaires fautifs. Parfait. Je suis bien d'accord pour qu'on essaie cette solution-là, peut-être effectivement de dégager la vision quand on arrive au coin de la rue, ça va être suffisant. Je veux juste cependant relever le même fait que Mme Berthold. Les tests sur les volumes de circulation ont été faits en Aoû. On sait qu'en Aoû, il y a une grosse partie de la population qui est en vacances. Mais donc, on a une solution à essayer à court terme. Oui. Puis, si jamais on devait ramener le dossier pour études subséquentes, peut-être s'arranger pour faire les tests à un autre moment que durant la période des vacances. Merci D'accord, beaucoup. D'accord, c'est noté. Et la cinquième concerne la rue de la Caravelle. Alors ici, le service des infrastructures urbaines veut qu'on continue à faire de la sensibilisation à l'été 2023, mais recommande également d'enlever le panneau d'arrêt sur la rue de la Caravelle, devant l'accès du parc de Bonaire, et plutôt d'installer un dos d'âme. Oui. Alors, c'est ce qui est recommandé. Donc, moi, je pense que c'est un bonus. Oui, je pense que c'est vraiment un bonus, effectivement. Puis, juste pour être bien certaine, on parle l'accès au parc Caravelle, qui est un accès piétonnier, là. Mais on sait qu'avant, il y avait un arrêt, mais les autos ne faisaient pas nécessairement l'arrêt. Oui. Donc, on le remplace par un dos d'âme. Oui. Les citoyens avaient en même temps parlé de la question du stationnement autour de cette entrée-là. Ça va être réglé par un autre de nos services? Oui. Parfait.
Merci beaucoup. Donc, je voulais rajouter. Oui. J'ai eu une question de la conseillère Le Tarte-Lavoie concernant la 7e avenue, coin 7e avenue et Conseil. Pourquoi dans le tableau que vous avez, là, c'est inscrit que la date de réception de l'analyse du CCU est en attente et de même que la recommandation du service des infrastructures urbaines est en attente? Bien, c'est simplement parce que on considère que la rue Conseil, c'est une artère, c'est une collectrice, et donc ce n'est pas étudié dans le cadre des rues locales de la campagne de sensibilisation. Et donc, ça a été enlevé de ce tableau-là pour être traité à part. Et il y a deux autres études de vitesse qui sont programmées en 2023 pour avoir un portrait juste de la situation. Et c'est la même chose, une que vous n'avez pas vue, c'est au coin de Conseil et Alençon. Et donc, c'est le même raisonnement, c'est une collectrice, c'est une artère. Là, les gens à la requête demandent un stop, un arrêt sur Conseil à l'intersection de Alençon. Et donc, ça va être traité là, à part que les rues locales, c'est une collectrice. Merci beaucoup. Donc, plus d'autres questions pour M. Chapdelaine sur ce dossier-là? Merci beaucoup. Maintenant, on va accueillir pour le point 5.2.1, aide financière 2023 aux organismes communautaires admis au programme de soutien de l'arrondissement de Florimont. Donc, on accueille M. Jean-Yves de la Rougerie, qui est, pouvez-vous nommer votre titre? Oui, directeur service sport, culture et vie communautaire. À la OK, ville. J'avais parlé en oublié un. Et Mme Andréane Ferland, et votre titre? Oui, Andréane n'est pas là ce soir. Oui. Oui, fermez votre micro. C'est Caroline, Mme Caroline Pou. Oh, excusez-moi. Tu fermes ton micro. Avez-vous fermé sur les oreilles? On parle tous, vous restez là. Ça ne peut pas être concerté, Caroline. Ouais. Je l'ai fermé. Désolée. Oui, c'est là. On va voir que c'est une si on vous donne 20 minutes pour nous faire la présentation, qu'on se laisse une dizaine de minutes pour poser des questions. Est-ce que c'est la oui, pour le contrat de performance et les aides financières? Oui, oui, je pense que ça peut. Le contrat de performance, non, on pourrait avoir un autre moment. Nous l'ont commencé pour les aides financières. Oui, je vais vous partager mon écran. Pour les aides financières, ça va être davantage. C'est pour avoir plein d'écrits, je vais aller tout de suite à la dernière, les aides financières. Je vais le mettre. Ça ne veut pas avoir mes papiers, un écran, c'est bon, c'est juste mon. Je vais me lever les yeux. Donc, pour les aides financières 2023, dans le fond, les phases dès maintenant, c'est conditionnel à l'adoption du budget, évidemment. Donc, c'est tous les conventions annuelles qui passent en proximité, donc à l'arrondissement pour le 1er janvier au 31 décembre 2023. Ça comprend les différents programmes qu'on a au niveau de la DLBC, la décision, on va dire, communautaire, le programme de base, donc le programme vie associative et démocratique, le programme organisme propriétaire pour les organismes qui sont propriétaires de leur bâtiment. On a des mandats, notamment pour les événements. On a un programme à la gestion des jardins et des soutiens particuliers aussi pour ce groupe-là. On a un total de succès financier qui totalise 115 000 $521.
Le soutien technique aux organismes représente 5 000 $ et on calcule toute la valeur des locaux dédiés depuis l'année dernière. Donc, en valeur. Oui, je peux y aller. Alors, on a le 10e groupe Escalade, le Direct des Fermières de Sherbrooke, le Club d'âge d'or avec des petites familles, le Club d'âge d'or des aînés de Fabiès, qui ont à la fois un soutien particulier et une vie associative, le Club d'âge d'or des Avenues de l'Assomption, le Club d'âge d'or plein air 4 saisons, qui lui aussi a un soutien particulier et la vie associative, le Club d'âge d'or Amitié Saint-Sacrement, le Club d'âge d'or des sages de Marie-Anne du Monde, le Club de la détente de Marie, le Jardin communautaire Chapon, Loisir Fleuriez a un mandat pour l'entretien au niveau du parc bureau et aussi un fiduciaire pour le jardin du parc bureau. Maison des jeunes Fleurimont, un soutien particulier pour le cadre des jeunes. Maison jeunesse, un soutien particulier aussi pour Paxe 5. Il y a aussi cette COVID qui a à la fois une vie associative, organisme propriétaire et un soutien particulier. Peut-être mentionner aussi que les maisons jeunes, les organismes de l'église gestionnaire, comme on va dire, leur pièce, leur convention, soit pour le soutien aux maisons jeunes ou pour les temps de jour, le mandat au niveau des ONG passe au conseil municipal. C'est pour ça qu'on ne les retrouve pas ici, qu'ils soient des montants significatifs pour ces compétences. Est-ce qu'il y en a? Oui, Mme Bergeau. Oui, en fait, j'ai plusieurs questions. Je me demandais les organismes, tu sais, parce qu'il n'y a pas tous les organismes alumni qui sont là. Qu'est-ce que pensons qu'il y en a qui reçoivent du soutien financier, d'autres non? Puis je me demandais le soutien particulier, c'est sous quel critère? En fait, tous les organismes de proximité sont là. Pour ceux qui sont en proximité dans l'arrondissement, finalement, sont dans la liste. Mais je pensais, par exemple, au programme, tu sais, le recrutement. C'est un organisme à vocation municipale. OK, donc, fait, c'est dans un autre traitement. Ça allait voir dans les aides financières au niveau du conseil municipal. Et puis le soutien particulier, sur quelle base critère on met le montant qui est alloué? La majorité de ceux-là, c'est des financements qu'on dirait plus historiques selon différents critères, des fois même avant l'inclusion. Donc, on a travaillé avec les organismes pour tranquillement soit donner des mandats ou voir comment on pouvait le décliner. On essaie toujours de favoriser l'équité. Là. Donc, comment on travaille, par exemple, avec nos organismes aînés. Le programme Vie associative et démocratique a fait un gros bout de chemin dans ce volet-là pour avoir une répartition par un plus équitable des montants de base. Mais il reste quand même quelques montants particuliers, mais on est sur la bonne voie. Parce que mon exemple, c'est plus le cas des jeunes de Ferrier. Je me demandais pourquoi c'était le montant qui était convenu, ça, qu'on leur donnait pour. Il faudrait que j'en réfléchisse pourquoi le montant comme tel, mais je pense qu'à la base, c'était juste un projet quand même collectif là, de quelques partenaires qui est porté par la maison de jeunes. Je pense que c'était la demande que vous avez faite pour ouvrir parce que le cas des jeunes, c'est 6-12. Et puis. Pas dans le programme des maisons de jeunes qui sont plus vieux. Fait que c'est pas dans la mission même des maisons de jeunes. Mais c'est... En fait, je comprends le soutien particulier, mais je comprends pas pourquoi 11 000. Je pense que souvent, c'est une demande qu'on reçoit, qu'on analyse, puis qu'on présente en arrondissement, mais ça fait quand même quelques années. Je peux vérifier, puis vous faites. Puis, on a eu une demande de, ben, plus de, comme à titre informatif, le loisir que Brest. Le lien avec les semaines de relâche, je pense que c'est quelque chose qu'on ne finance pas en ce moment, mais qu'on a peut-être financé dans le passé. Dans le programme essentiel, je n'ai pas inclus la semaine. Puis on a pu financer les activités de semaines de relâche. On avait donné un petit financement pendant la période de photo, parce qu'il y a plusieurs parents qui. Ils ne pouvaient pas envoyer leur enfant. Ben, on avait un problème de locaux. Donc, les gens ne pouvaient pas envoyer leur enfant toute une semaine. Donc, pour accommoder plus de parents, on favorisait l'inscription à la journée.
Et puis dans ce cadre-là, on me donnait un petit soutien, mais c'était vraiment sur ce contexte. Puis pour les jeunes avec des handicaps, est-ce que, tu sais, parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement individualisé, est-ce que la ville a déjà soutenu ces familles-là? Pendant l'été, on a eu un grand accompagnement de 30 jours. On va le voir tout à l'heure, on a eu du nombre d'accompagnement pour le projet de la pièce. Mais pas pour la semaine. Parce qu'on ne la finance pas. On n'a pas. Ah, que ça, ça va dans la même, la même logique de ne pas financer la semaine de relâche. Exact. On n'a jamais fait ça dans l'histoire de. OK. Il y a d'autres questions? Mais peut-être juste pour faire du pouce là, sur ma collègue Ferronge, pour discuter de ça, le fait que le petit relâche qui est propriétaire, ça c'est au niveau de ville. Oui, tout à fait. Est-ce que les autres villes ont sait ce qui est là? Bien, je peux y aller parce que parce que la question nous a été adressée par l'autre élu. D'un autre arrondissement. Et j'ai fait une petite démarche en ce moment. Puis la plupart, la grande majorité des villes au niveau du réseau des grandes villes, en ce moment, j'ai 5 réponses là. Et ils disent que non, ils ne financent pas. Moi, j'avais l'impression qu'avec la politique d'accessibilité universelle, ça donnait comme un engagement dans cette voie-là. Mais... En fait, ce qu'il faut dire, c'est que la question à la base, c'est pas tant au niveau de l'accompagnement que de dire quels sont les programmes utiles ou essentiels. Et dans les utiles qui sont ceux du loisir et semaine de relâche, ceux-là ne sont pas financés par la ville. Alors, par la banque, l'accompagnement de ceux-là qui ne sont pas financés par la ville, ben, le questionnement va jusqu'où? C'est pas tant sur. Mais je comprends votre question et tout ça, mais c'est vraiment le positionnement de la ville par rapport au soutien, et ça, c'est depuis des années. Puis comme je vous dis, j'ai fait le tour des différentes villes parce que je voulais voir un petit peu le benchmark qui existait. Puis ils sont exactement au même niveau pour les semaines de relâche. Ce sont souvent des initiatives que les organismes délégués gestionnaires font, contribuent. Il faut dire qu'ils ont soit des levées de fonds ou des possibilités, fait qu'ils développent et ils déploient là-dessus. Au niveau des camps, jours, en période estivale, là, à ce moment-là, je vous dirais que c'est la contribution de la ville. Puis l'accompagnement se fait. Il y a tout un petit comité d'évaluation. De grandes responsabilités aussi sur le dos de nos, en fait, sur le dos, sur nos animateurs, parce que des fois, je vous dirais, l'accompagnement, il se fait de façon très bien. Puis, tu sais, un jeune qui a un handicap qui s'intègre, c'est parfait. Mais des fois, je vous dirais que dans certains cas, les enjeux sont plus profonds et tout ça. Puis c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec ces trois instruments pour s'assurer que ces gens-là ne soient pas laissés pour compte et qu'on ait toutes les ressources qu'il faut pour les aider. Fait que l'accompagnement se fait très bien, mais en cas d'investissement. C'est un enjeu aussi si on nous met à la relâche au c'est très difficile Et vous avez dit que le site Covid, c'était justement pour le parc bureau, le jardin, mais c'est tout pour un an. Donc après ça, il y a comme tout. Mais en fait, toutes nos conventions qu'on parle, c'est juste d'ensemble dans la question. Mais ils vont peut-être regarder pour éventuellement si les Covid ne sont pas en jeu. Donc si vous pouvez dire que rien soit le plus, je pense que c'est pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Non? Eh bien, merci beaucoup pour ce dossier-là. L'ordre du jour prévoit d'autres dossiers, mais qu'on va mettre de côté pour aller tout de suite au point 5.3.1, suivi du contrat de performance du service des sports, de la culture, de la vie communautaire. Donc, un bilan 2022 et les priorités 2023. On fait ce petit saut-là puisque ce sont nos mêmes invités qui sont ici. On va... Faire ces dossiers-là immédiatement. Merci de nous accueillir sur ces deux dossiers-là. Et celui-là, en fait, au niveau du bilan des priorités, bilan 2022, priorité 2023 en lien avec le contrat de performance, à titre de rappel, depuis la réforme 2015, il y a des contrats de performance qui ont été signés avec les arrondissements de service central parce que des responsabilités qui ont été confiées au niveau du loisir au SSCDC. Et à la lumière de ce contrat-là, ben, on vient vous voir
régulièrement, mais une fois par année, pour réaliser le bilan des priorités là, des actions. Fait que c'est dans ce cadre-là qu'on vient vous présenter. Vous allez voir, cette année, des fois, ça arrivait qu'il y avait des dossiers un peu plus d'enjeux municipaux. On a tenté d'en garder, mais on mettait toujours le lien de proximité, faire le lien avec la compétence de l'arrondissement. Fait que vous allez peut-être voir certains dossiers à connotation municipale, mais on va faire le lien avec la proximité. Fait que c'est pour ça que vous les voyez. Ceux qui n'avaient qu'une connotation municipale puis de la compétence de proximité ou d'arrondissement était plus difficile à faire, on les a pas mis, mais on est ouvert à la question aussi. Fait que je vais céder la parole, c'est Caroline qui va prendre bien sûr la grande partie de la présentation, considérant la division loisirs et communautaires, puis aussi le technicien d'arrondissement. Parler un peu plus fort. Ça combien de temps? Ça va un peu comme ça. Alors, on vient vous présenter, comme M. Labougerie l'a dit, dans le fond, nos travaux, le service planifie, on réalise, on évalue nos interventions pour augmenter la qualité des Charlevoix et évidemment en lien avec la mission du service qui est avec les communautés charlevoises, créer des milieux de vie riches, accueillants et stimulants. Fait qu'on fait, on avait en annexe les fichiers complets, puis on fait un résumé pour la présentation, mais vos questions, évidemment, vont porter sur l'ensemble des éléments qui sont viennent. La plupart des grands volets, c'est le soutien aux organismes qui sont amis. On les a nommés tout à l'heure, mais il y en a 4 et il y en a 12 en proximité ici actuellement. Alors, on a une majorité de clubs d'âge d'art. 7 clubs d'âge d'art, on sert les dernières, les scouts, les cerfobies, les chevaliers de colons et le jardin de chevaliers. On a aussi des regroupements, de la mobilisation, que ce soit la table de quartier 4 saisons, la concertation Action Marine, ils sont venus vous voir il y a pas longtemps, les amis du parc Victoria aussi. On a 4 jardins par an sur le territoire, un OBG, Oiseau de Fleuriesse, et 2 maisons de jeunes, maisons jeunesse et la maison. Donc, c'est sûr qu'il y a un soutien très actif et présent du répondant, Stéphane Mulder, qui n'est pas le nommé. Il y a une reprise significative des activités, on ne s'en rappelle pas, mais au début de l'année, c'est encore plus présent avec nous, la pandémie, la COVID. Donc, au niveau surtout des clubs aînés, c'est sûr que la reprise a été modulée un peu différemment. Beaucoup d'accompagnement dans le cadre de qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire, on est encore là-dedans au niveau de l'hiver. On a tenu une fête de bénévoles cette année. L'année dernière, on n'avait pas pu. Donc, quand même, 175 participants très satisfaits. Je pense que c'était une belle soirée. On a fait la construction et le démarrage du jardin bureau. Et on voit quand même qu'il y a aussi, on a un circuit aussi, beaucoup d'activités du dynamisme. Ça a été apprécié. On a fait l'accompagnement de cette COVID pour le projet pilote de réserver 3 terrains Félix au parc de la Vieille-Cambon. Ça s'est bien passé. On n'a pas eu d'écho de conflit d'utilisateurs et des citoyens qui allaient suivre une plage horaire. Effectivement, on va probablement revenir, mais avec nos recommandations de poursuivre au niveau des plages de réservation, là, on était satisfaits. Et les activités de santé communautaire pour le CGD qui se poursuivent de l'activité inclusive. D'autres exemples au niveau du soutien des organismes. Plusieurs demandes concernant, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais les mesures COVID, surtout au printemps. Alors, on a accompagné plusieurs organismes aussi au niveau de tout leur fonctionnement, que ce soit AGA, leurs documents, etc. Des suivis au niveau des réservations. On a trouvé des espaces de rangement, notamment les braves de l'Assomption qui ont déménagé de l'église Sainte-Famille du CGT. Donc, on les a accompagnés dans cette transition-là. On a une demande, je pense que ça veut dire au CGT ou CGT? Au CGT, puis sans doute, excusez-moi. Donc, ils tiennent leurs activités-là et puis ils entreposent aussi un peu de matériel. Okay. On a trouvé, on a joué avec les places horaires, que l'ensemble des clubs trouvent leur compte, puis ça arrive ça. Parfait. Demande d'immobilisation du jardin communautaire Chabon. Dans le fond, ils nous ont déposé récemment cette demande-là pour avoir une toilette permanente, l'électricité, c'est en analyse. Donc, on reviendra. L'année dernière, on les avait appuyés pour une remise au niveau du jardin Chabon. Fait que là, on va voir. On s'assure aussi dans les demandes ponctuelles comme ça de l'équité avec l'ensemble de nos jardins sur le territoire. Donc, on aura l'occasion de revenir en début d'année probablement. On se souvient aussi que la nécessité du club d'Ajard, les amis du Faubourg Ménesson, a été retirée en cours d'année.
On a, au niveau de la vitalité dans le fond du territoire, l'aspect au niveau du déploiement d'événements de proximité, on a le programme Fête de voisinage qui se décline à l'échelle ville. On a eu, là, je pense qu'on est rendu presque à 60 maintenant, fêtes de voisinage, dont 8 dans l'arrondissement de Fleurimont. On a eu une troisième édition des promenades de Jane, donc cette fois-ci dans deux arrondissements, mais pour une troisième édition de suite dans Fleurimont, donc plus dans le secteur de la Récagne cette année. Et on a fait des activités de promotion dans les espaces citoyens cette année. Donc, pour l'arrondissement ici, on a fait un pique-nique. Il y avait à peu près 120 participants, une très belle réponse pour faire connaître l'espace citoyen. On a fait aussi l'ajout de boîtes à jouer, donc c'est apprécié. On a beaucoup plus de réservations au niveau des espaces comme tel, mais c'est très utile. Ça me dérange pas de bien motivation pour... C'est juste pour rebondir. Sur les fêtes de voisinage, là, je voyais dans les documents que vous avez reçu 67 demandes, 7 annulations de refus, puis il y a eu 8 demandes de citoyens, puis ça a fait 8 fêtes de voisinage. Mais là, je me demandais les 42 autres demandes, mais il y en a qui? Il y en a 23 dans une nation, il y en a 22 dans toute la ville. Exactement. Les 10 que vous avez refusés, c'était quoi leur besoin ou qu'est-ce qui correspondait pas? C'est variable. Des fois, c'est au niveau de l'artère, par exemple. C'est pas un but de quartier tranquille. Fait que des fois, il peut y avoir des éléments comme ça. Si c'est lié au niveau commercial, on peut sortir des exemples. Mais on essaie d'être le plus accommodant. Fait que quand c'est un refus, puis il peut y avoir des fois des. Si on a trop de demandes pour une même date, puis qu'ils voulaient la remorque, on a deux remorques. Donc, souvent, on va suggérer de déplacer la date. Mais peut-être que les gens peuvent choisir de seulement annuler. Puis, pour finir sur faire de l'hôtel, on recevait des confirmations pour les envoyer aux citoyens. Oui, c'est accepté. Il y a aussi votre contrôle. Mais il y en a qu'on n'a pas reçu. Je ne sais pas si vous, ça a arrivé. Là. Moi, j'en avais trois dans mon petit sac. Il y en a deux. Je sais plus qu'il y en a un que je n'ai pas reçu. J'ai comme su par hasard, mais c'est juste une erreur. J'imagine que vous avez l'habitude. Oui, c'est. Je sais qu'on a eu, avec les vacances et tout ça, ça se peut qu'il y en ait qui aient échappé, mais c'est une erreur. En principe, vous êtes toujours en copie. Autant service de police 500, direction d'arrondissement que les. Ça, je trouve ça bien de l'avoir, de savoir. Tout à fait. Bon. C'est une pratique qu'on conserve. C'est bon. Moi, je voulais juste peut-être qu'on précise l'espace citoyen. C'est quoi, là? Il y a peut-être des gens qui nous écoutent. On en a 4 dans la ville. Donc, c'est un projet qu'on avait amené il y a quelques années, qu'on avait travaillé avec l'arrondissement. Donc, 6 au parc Jardin Fleury. Et puis, c'est un espace, dans le fond, souvent, les gens ne peuvent pas réserver un parc. Mais si on vit en bloc appartement, qu'on a beaucoup, bien, ça peut être intéressant si on organise une fête d'amis ou un baptême, n'importe quoi, d'avoir accès au parc. Donc, on voulait, tu sais, extensionner les cours arrière de certains de nos citoyens. Et puis, ça leur donne l'option de réserver le parc. Selon l'espace citoyen, ça peut varier. Il peut y avoir un chapiteau, il y a toujours une table à pique-nique, etc. Pour leur permettre de faire leur... Est-ce que je me trompe pour la consommation d'alcool est permise dans les espaces citoyens? Non. Okay. Ça ne faisait pas partie du projet pilote dans le fond, la méthode de communiquer, faire la promotion, c'était de faire un pique-nique pour inviter les gens à l'utiliser. Est-ce que vous avez pensé par les écoles, par exemple, des jardins qui sont juste à côté du parc qui pourraient être un potentiel pour en parler aux parents? C'est une bonne idée. Je pense pas qu'on a passé par les écoles. On fait la campagne de promotion beaucoup avec le service d'école, donc sur les réseaux. Quand les gens appellent pour réserver une table, tout ça, c'est une option qui leur est offerte également. Mais on va le noter. Je pense aussi aux gens des organismes qui sont vraiment autour du bac, ça peut être intéressant aussi. Tout à fait. Parce que moi, j'avais entendu parler de la boîte à jeux, mais je savais pas que aussi on pouvait réserver un bel espace dans le parc pour faire aménager des types de sujets. Fait que je pense que si moi, je suis au courant, il doit y avoir beaucoup de gens qui sont là. C'est une belle initiative. Si on continue dans les événements, bien, dans le fond, on en a eu 5 qui ont été tenus cette année. Donc, la journée de la famille, la fête de quartier du parc de Chirier, la fête de quartier du parc de Bonheur, Marie-Reine du Monde et parc des Bois-Boudreau. Donc, on a les dates et l'achalandage. On est satisfait. On a seulement eu une annulation, dans le fond, une fête qu'on n'a pas tenue.
pour tel ou tel sujet de Charlotte. Sans raison de la pandémie. C'est oui, sans janvier, je me suis juste en début de la semaine. Est-ce qu'il y a un gros écart entre le nombre de participants, post-COVID, ou est-ce qu'on voit un impact en comparaison à 2 ans plus tôt? Ben, je trouve qu'on a déjà eu plus que ça, effectivement. Entre autres, pour la journée de la famille, on a eu des plus grands achalandages que 650. Mais on était quand même contents du retour. Puis en niveau des parcs de quartier, là, c'est quand même. En autre sens, c'est satisfaisant surtout. Attention, mes plus variables selon les fêtes. Tu sais, des fois, ça peut être la météo ou des éléments comme ça, un peu hors du contrôle qui fait qu'il y a moins de personnes. Au niveau de la mobilisation, en fait, je les avais nommés tout à l'heure, donc la table de quartier, 4 saisons, le TPC en loisir de l'arrondissement siège avec eux là, sur la table, les membres de la table participent à certains comités et y accompagnent certains des projets de la table, comme la fête des écoles, le soccer pour tous, le comité ressources humaines qui accompagne aussi la fête de Noël. Concertation, action marie-reine, vous avez eu le bonheur de voir leurs travaux, leur plan d'action. Donc, ils ont travaillé fort, plan d'action sur 3 ans qui viennent de terminer. Ils sont très actifs, là, tant au niveau du jardin, de la fête qui a eu lieu dans le Stéphane. Il y a un comité aussi d'action marie-reine sur lequel Stéphane se cache. Et les amis du parc Victoria aussi ont été accompagnés au niveau de la démarche pour le respect de l'environnement, des infrastructures, la représentation du conseil municipal aussi concernant le développement du programme écologique. Ils ont fait leur démarche en ce sens. Quand il y a des citoyens justement qui veulent s'occuper puis se mobiliser pour différents projets, j'en ai un autre point dans mon truc là, qui sont assez. Ils ont plein d'idées, là, ils veulent faire plein de trucs, puis, mais ne sont pas encore officiellement comme citoyens ou une table de quartier. Là, ils me disaient comment on peut avoir de l'aide pour un peu nous structurer, nous aider parce que là, c'est juste des. Tout le monde bien motivé, là, mais là, je leur dis bon, ben, peut-être qu'on peut regarder pour. Vous avez le local pour vous rencontrer, tout comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut offrir concrètement à ces citoyens-là qui ont plein d'idées et qui veulent. La porte d'entrée officielle pour les citoyens, parce que c'est pas un organisme, c'est l'arrondissement. Dans la dernière année, on a travaillé au niveau de la division loisirs communautaires avec les quatre arrondissements pour développer le programme Implication Initiative Citoyenne Le PIC. Donc, c'est une façon de dire. Parce qu'il y a des citoyens qui éventuellement vont aller vers l'incorporation, qui veulent devenir un groupe, mais pour plusieurs, ils ont une idée ponctuelle, ils veulent se mobiliser, un organisme enregistré, incorporé, c'est beaucoup trop lourd pour le souhait. T'sais, ils ne veulent pas le volet administratif, ils veulent le côté fun. Fait que le PIC venait répondre à ça, en fait, pour dire on peut vous donner un petit soutien financier, on peut vous faciliter des suivis comme. Que ce soit pour payer le déjeuner, que vos gens viennent, que ce soit pour réserver une salle, ça compense le frais lié à la salle. Donc, c'était dans cette optique-là. Le dossier est toujours en cheminement, là, via la commission loisir sur le sport et plein air. Mais qu'est-ce qui vous arrive si, mettons, le commissaire va dire, monsieur Bruno, c'est qu'il est sur certaines terres, donc peut-être non. T'sais, qu'est-ce qui fait en sorte que, à partir d'une certaine fréquence, okay, là, on pourrait avoir. Les tables de quartier sont soit qu'ils sont un OBNL ou ils ont un fiduciaire, c'est le même. Ils sont considérés comme organismes admis, dans le sens qu'au niveau de nos partenariats avec l'ISDC, on a une entente délicieuse, centre de services scolaires. Donc, on a chacun des représentants qui vont aller en soutien au milieu. Donc, on est présent à ce niveau-là. Les amis du parc Victoria, des fois, ça ressemble un peu, c'est un entre-deux, des fois. Monsieur Blais va prendre des portions, des fois c'est nous, mais tu sais, c'est comme on en jase. Fait que c'est pas toujours à couper. Des fois, ils sont tellement structurés, puis c'est assez prévisible, donc ça ressemble un peu à un organisme. Mais on en discute ensemble pour voir qui prend quoi. Si c'est un relais avec les autres services municipaux, ben c'est davantage Monsieur Blais qui va prendre le relais. Si c'est au niveau de leur gouvernance,
les activités citoyennes, ben, on va peut-être être un peu plus présent. Je ne sais pas si ça. Parce que peut-être sur Marie-Laine, tu sais, lui, c'est pas un organisme, mais Marie-Laine, tu sais, c'est pas un organisme, mais ils ne sont pas. Mais ils sont maintenant. Là, maintenant, ils sont. Ouais, ils ont ça aujourd'hui, là, c'est non reconnu INTC, mais sais-tu, vu qu'il y avait comme un intervenant INTC, que là, la ville a dit on va mettre une autre. Oui, mais dans le standard ISDC, quand on a des territoires qu'on soutient, il y a un organisateur communautaire, un technicien voisin et l'agent de développement. C'est un trio qu'on a fait sur le territoire. OK. Fait que c'est via cette entente-là qu'on est présent. Le soccer communautaire, c'est vraiment un beau projet. Le soccer, okay. Ben là, vous avez écrit soccer pour tous. Ouais. Des fois, ils l'appellent club endurance, en tout cas avec l'épaule. Qui est super mobilisé. C'est un projet qui est vraiment populaire. C'est incroyable le nombre de jeunes qui sont pris en charge, puis qui font des entraînements, qui font des tournois, tout ça, mais ça fait émerger énormément de besoins. Puis c'est ça, je me demandais s'ils sont accompagnés dans la démarche, parce que c'est ça, ça pogne, là. Il y a comme un momentum, mais il n'y a pas de financement. La personne qui a ça en charge le fait bénévolement, puis il met corps et âme. Oui, c'est une personne très, très dévouée, engagée. C'est un nouvel organisme qui vient à peine de créer, donc c'est sûr qu'il ne peut pas tout de suite déposer une demande d'admissibilité. C'est quand même un projet qui est parrainé par la table de quartier, fait que c'est en ce sens-là qu'on l'a quand même soutenu dans la mise en œuvre, dans la préservation de plateaux, etc., pour que l'activité puisse avoir lieu. Donc, on essaie de faciliter, mais il n'y a pas de soutien financier, effectivement. C'est plus via la table, qui, elle, est soutenue par l'IFDC, où là, la ville vient aussi des fonds. Puis, bien, il peut avoir un accès à des gymnases, par exemple, pour faire l'entraînement, puis... Ben, je sais pas. Il peut, mais comme organisme, dans le fond, il y a une chaîne de priorisation pour les réservations, donc c'est sûr qu'un organisme non admis est bien en dernier. C'est juste au niveau des plages horaires qui restent disponibles et peut réserver, effectivement. OK. Fait que dans le fond, une fois que ça va faire 2 ans, il va pouvoir avoir plus de services. Ben, il peut déposer une demande d'admissibilité. Ben, je pense qu'on va travailler là-dessus. C'est ce que j'ai compris. Il faut au minimum 1 an pour la demande d'admissibilité pour qu'on puisse évaluer la vie associative, un rapport annuel, pour voir la gouvernance. On a passé, c'est bon. Les camps de jour, donc, il y a le loisir fleuriste, évidemment, dans Fleurimont. Il y a à peu près 88 % de sa cible. Donc, la cible, c'est le nombre d'inscriptions d'une semaine pendant l'été. La cible est établie à 6 945, donc près de 7 000, et ils ont atteint 6 113 inscriptions de semaine, donc c'est quand même excellent. Donc, on sent vraiment le retour des parents, des familles en camp de jour cet été. Là. Il reste encore quelques mesures sanitaires, mais très peu, et ça s'est bien déployé. Et dans le loisir fleuriste, ils ont intégré 23 enfants en camp de jour, donc ça aussi c'est très bien, avec 17 accompagnateurs reconnus au programme. Maintenant, les maisons de jeunes. Donc, maisons de jeunes Fleurimont, on accompagne toujours la NES et parallèlement les adaptations légales pour la construction du nouveau bâtiment en remplacement de celui qui était existant, qui a été détruit il y a quelques semaines. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, on est en accompagnement du projet. Maisons jeunesse, tout à l'heure, j'ai mentionné le soutien d'Access 5. C'est une convention de 5 ans. Donc, on va déposer au conseil municipal pour la renouveler, même bonifier. Là, c'est au niveau du décrochage scolaire pour les jeunes, un projet qui est assez stable. Et donc, votre recommandation, ça va être de renouveler, puis même avec. Je suis très contente d'entendre ça quand j'ai déjà une présentation là, sur ce projet-là. Là. Oui. C'est excellent. Pour comme la fois en plus, on peut plus s'arrêter que ce genre de projet-là existe en parallèle. Et puis, pour Paris Gratuité, dans le fond, les maisons de jeunes sont ciblées comme partenaires. Donc, les deux maisons, la même cette année, a embarqué pour un projet et qui recevait 1 500 $ pour faire un visuel, une affiche ou quelque chose comme ça dans le cadre de Paris Gratuité. Et l'année prochaine, on va travailler encore avec l'ensemble des maisons de jeunes pour aller de l'avant. Presque à la fin. Je passerai la parole à vous.
Ben, en fait, au niveau de la division de la culture, au niveau là, de, ben, vous savez, au niveau de l'achat de l'Église Sainte-Famille, qui avait été mentionné là, comme objectif de réaliser une future bibliothèque de quartier associée aussi avec un volet de service dédié aux communautés locales, donc pour l'aspect organisme communautaire, ce qui est mentionné. C'est qu'en ce moment, il y a un rapport que vous connaissez, bien, vous avez dit, M. Leclerc, on a embauché. En fait, c'est pour faire un plan de déploiement, développement de nouveaux bibliothèques. Et on va évaluer toutes les options, dont celle-là, et ça, on va vous promettre ça. Donc, on est en train d'y travailler. Donc, fin décembre, c'est ce qui est technique plus de la présentation du sport avec Jean, qu'on est en train de regarder parce que les délais, là, ça arrive vite, là, fin décembre, avec les différentes instances. Alors, ça, ça va être inscrit là, à l'intérieur de ça, dans toute la planification des bibliothèques dans l'ensemble. Le bilan complet de la crise culturelle va être déposé sous peu. J'ai regardé, c'était le 8 décembre prochain que votre arrondissement à Angeline sera présente pour venir faire la présentation. Du bilan de la troisième édition, donc qui a été réalisée de la crise culturelle, prendre vos propos, vos préoccupations, les enjeux, les améliorations pour améliorer la prochaine. Alors, on est dans les temps, je vous assure, s'il y a des commentaires, des éléments pour la prochaine, on est dans les temps pour le faire, ce sera le temps pour émettre là, vos éléments là, et qu'on bonifie. Un projet d'œuvre d'art public a été abordé avec la GAD pour 2022, mais là, on n'a pas eu, je validais là, les suites, fait que ça va se poursuivre la réflexion. C'était une demande qu'on avait eue de leur part, on n'a pas eu de suivi. Alors, on les a relancés, fait qu'on est en attente de leur part là, à ce niveau-là. Financement d'une action commune identifiée par le réseau des CCA, organismes professionnels et organismes professionnels. En fait, la réalisation de trois projets impliquant un peu la clientèle aînée avec d'autres aussi des communautés immigrantes. On sait qu'il y a une implication d'organismes professionnels comme Danse Accide qui est là-dedans et un recueil de souvenirs dans le but de rédiger, de rediffuser aussi un compte. Je vous dirais, moi, sincèrement, depuis la consolidation du réseau des CCA, des centres culturels d'arrondissement, qui se parlent entre eux, qu'on travaille entre eux depuis que ça a été, que le financement a été aussi pour leur permettre dans l'ensemble, il y a vraiment une dynamisme qui est formidable. Tant au niveau de la crise culturelle, leur implication qui est majeure. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vient vous voir ici au niveau des compétences, parce que les CCA, c'est un organisme de compétences d'arrondissement. Et c'est pour ça qu'on vient vous déposer aussi l'information en lien avec ces activités-là. Vous vous souvenez des fameux projets de testé qui ont été aussi, mais là, on est plus au volet de la crise culturelle et différents projets du réseau. Et c'est pour ça qu'on vous rencontre en lien avec les compétences d'amortissement. La division des sports, bon, un exemple que je vous mentionnais tantôt, c'est une infrastructure, oui, municipale, mais qui a une portée pour les citoyens d'arrondissement. Alors, je pense qu'on a voulu, on a tenu à vous en parler. Le montant que vous voyez là de 6,8 millions est le montant initial. Alors, on est en train, là, puis là, je n'ose pas parce qu'il y a des cheminements de dossiers qui se font en ce moment au niveau des différentes instances, mais le projet, il a été revu de façon à ce que ça puisse répondre aux attentes budgétaires et tout ça, parce que, comme vous savez, on avait eu des analyses qui ont été faites dans ce sens-là. Alors, ce projet-là se poursuit, c'est une signature au parc Victorien. Un peu en lien avec ça, le plan de mitigation, parce qu'on sait que la piscine ne sera pas construite en 23, c'est-à-dire qu'il va y avoir des démarrages, mais ça va réaliser, livrer en 23, mais plus en 24 pour l'été 24. Alors, le plan de mitigation se poursuit, un peu comme on avait fait l'an passé. Alors, toutes les mesures qu'on tente là, qu'on va maintenir et qui vont... donc, principalement, je vous dirais, parce que parmi celles qu'on avait réalisées, on a remarqué, puis suite à la question que j'avais eue par rapport à l'école du sport, on n'avait pas eu beaucoup de personnes présentes. Ça n'avait pas été une bonne réception pour les mail-ins. Alors, on va plus s'en tenir. Celles qui ont vraiment fonctionné, c'est les heures, la prolongation des heures en soirée, surtout les soirées chaudes et tout ça, puis de rajouter aussi des corridors. Donc, on vient segmenter la piscine pour permettre un peu plus.
Évidemment, le loisir fleuriès, ben, c'est là un peu l'enjeu, mais je sais qu'ils se promènent. Ils ont été à la plage Blanchard l'an passé, puis au système de transport et tout ça. Alors, pour les gardes. D'ailleurs, c'est ça, je suis contente de savoir que la mesure de la réduction c'était plus ou moins pertinent. Les brumisateurs, est-ce que ça a été apprécié? Bien. J'ai vu quelques personnes à l'occasion qui les utilisaient. Est-ce qu'ils reviennent aussi? Bien, je vais vous revenir parce que j'ai tenté d'avoir l'information aujourd'hui. Je m'attendais justement au questionnement. Malheureusement, je n'ai pas eu la réponse, mais je pourrais vous envoyer la réponse sur les plis. Le parc des optimistes, effectivement, j'ai beaucoup de commentaires. Les gens ont apprécié ça, vu qu'il y a un été très chaud par moment, là, de pouvoir le soir, après le travail, et les gens viennent souper, ils vont à la piscine. Ça a été apprécié. Merci. Puis, au niveau baseball, par Cambron a été refait au complet, etc. Puis, les travaux qui ont été faits par Couturier, les activités du centre juillet de Charles sur Couturier. Je vais aller rapidement à la division événements, donner que c'est celle-là que vous avez. Bien, à l'arrondissement, et c'est là qu'on a fait un peu le travail pour voir quels sont les événements, particulièrement au niveau de l'arrondissement. Alors, on voit qu'il y en a 55 événements annuellement. Bien entendu, les événements à portée municipale représentent 22 % les événements sportifs 54 et ceux qui ont portée locale de proximité, on est à 25 %. Plusieurs endroits ont été aussi ciblés, puis là, on les a mis, là, les différents parcs, parce que souvent, ce qu'on essaie de faire sur le niveau événementiel, bien, de permettre de visiter nos différents parcs aux citoyens. Ils ont chacun leur cachet, etc. Fait que de réaliser de ne pas toujours se concentrer dans les mêmes parcs. Premièrement, le volet proximité dans les quartiers, mais aussi de faire découvrir les différents parcs du territoire de l'arrondissement. C'est aussi une très, très belle façon de le faire. Par les fêtes, notamment, les événements. Le parc Boudreau, est-ce que c'est le parc Édouard Boudreau? Oui, c'est la même chose. Je pense pas que ça existe, le parc Boudreau, mais je vais être sûr. Oui, c'est Édouard Boudreau. Merci. Peut-être les terrains de baseball, vous allez passer très rapidement. Là. C'est vrai que c'est beau endroit. Je suis contente que le parc ait été, le terrain de baseball ait été conservé. Je me rappelle à mon premier mandat, on disait on garde ça, on ne garde pas, puis on avait décidé d'attendre, de voir. Je suis très contente, il est très beau. Et vous avez parlé que le petit terrain de baseball au parc Victoria qui aurait des modifications, des améliorations, on pense à quoi? Écoutez, bonne question. Je sais qu'il y avait des. Ça se peut-tu aussi faire au niveau des abris, etc., des choses comme ça. Donc, il faudra que je vérifie. Je vais vous revenir également pour ce petit terrain-là. OK, bien, ça ne presse pas, mais je me pose la question. Parce que nous, effectivement, avec l'impact et mon équipe, ils font tout la télévision des sports. Pour voir justement ce qui va être amélioré et tout ça, puis faisait partie de ça. Oui, je vais revenir avec ça. Est-ce que vous venez pour la vision de la culture? Il y a plusieurs projets vraiment intéressants. Là, un projet de bonheur public pour la GAP. Il y avait aussi dans ce recueil de souvenirs les communautés migrantes, aussi le projet de demain, on vient nous regarder. Donc, tout ça, ça va revenir ici pour qu'on voit un peu ces projets-là, qu'on soit au courant, donc comment ça fonctionne. Oui, effectivement, avec Angélique, on va revenir en lien avec les activités, là, la programmation du CCA, là, au Centre culturel de l'arrondissement. Et pouvoir vous en parler davantage puis évoluer avec eux
Parce que c'est sûr que ça vient beaucoup, c'est porté par eux, puis nous, on fait le lien, on voit comment on peut les accompagner, etc. Puis, on voit le dynamisme des centres culturels et de celui que vous avez, effectivement. Fait que ça permet de développer ce genre de projet-là de maillage. Puis, je vous dirais que l'efficacité a vraiment permis ça, le maillage avec des organismes communautaires et même d'aller voir que des organismes maintenant culturels, professionnels, s'impliquent et s'investissent, par exemple, dans ce projet-là comme Axile, bien, c'est merveilleux pour ça. C'est ce que ça permet de faire. Merci. Madame Bellerot, vous pouvez. Merci. Oui, mais dans votre bilan, je voyais que vous avez fait une tournée, vous êtes allé voir les organismes pour un peu constater leur bilan de santé, on peut dire comme ça. Là. Est-ce que suite à la COVID, je me demandais si c'est quelque chose qui va être fait de manière annuelle, parce que tu sais, je pense que c'est vraiment un bon réflexe. Puis tu sais, je pense que les impacts de la COVID vont se poursuivre quand même au niveau financier, notamment la participation. Fait que je ne sais pas si c'est quelque chose que vous allez refaire. Bien, on le fait régulièrement, puis ça prend différentes formes. Pendant la COVID, on avait fait une démarche plus structurée de questionnaires au niveau de la relance de leurs activités, prendre le pouls, c'était quoi leurs besoins. Et qu'on avait approfondi, on avait travaillé à l'époque, c'était avec le centre de CDSC, le comité de développement social et communautaire. Puis on avait présenté aussi l'ensemble des décisions qui étaient sur leur démarche, qu'on avait présenté au conseil municipal dans un portrait global de CDSC. Mais on fait toujours le suivi des organismes alliés, le maintien de leur administrité. Donc, c'est des communications quand même sur une base régulière pour voir tous les enjeux, qu'est-ce qu'il est pas. Puis le rendez-vous des loisirs qu'on planifiait, dans le fond, qui a eu lieu juste sur la portion virtuelle cette année. C'est aussi de ne pas y prendre le coup. Puis on pense que ce n'est pas étranger, justement, à la relance, un peu la fatigue de certains organismes qui priorisent peut-être moins ces activités-là en présentiel versus retravailler sur leur organisme plus à long terme. Donc, que ça fait partie des constats aussi là, qu'on voit. Mais on fait du vigilance. C'est beaucoup de changements, j'imagine. Je me demandais aussi par rapport à la maison de quartier, dans le fond, ça disait dans le bilan, tu sais, un peu de démobilisation, changement de partenaire, de acteurs en fait, qui sont impliqués. Est-ce qu'il y a moyen, en tant que ville, d'aller remousser le projet? Là, parce que le besoin de locaux est encore vraiment important dans le quartier. Puis, je sais aussi que la mutualisation des ressources, ça serait quelque chose de très bénéfique. Pour eux, tu sais, je sais que c'est ça, il y a l'espace, il y a où ils sont situés, il y a beaucoup d'enjeux, en fait, là. Je suis convaincue que vous êtes au courant là, de tous les enjeux. Fait que je pense que, tu sais, il y avait peut-être la possibilité sur la rue des Pompons, en tout cas, je me demande s'il y a moyen de prendre un peu une partie du leadership, en fait, puis accompagner ce projet-là. C'est un projet du milieu. Puis ils sont accompagnés autant parce que c'est un projet aussi de la table de quartier. Donc, l'ensemble des partenaires institutionnels sont déjà autour de la table. Il faut être en respect aussi de l'approche qu'ils ont préconisée pour lever le projet. Puis, ils ont créé leur propre page Internet, une campagne aussi de levée de fonds qui avait lancé juste avant la pandémie. C'est sûr qu'il y a plusieurs effets. Bon, on préconisait le terrain, effectivement, de l'école pour que ça soit adjacent. Tout était bien réfléchi, mais c'est sûr contextuellement, là, il faut trouver un nouveau lieu. Mais il n'y a pas de... Si on connaît le leadership, on n'a pas de lieu municipal de terrain. C'est sûr que si on voit l'opportunité, on va aller de l'avant. L'implication, ça serait dans le lieu. En fait, c'est selon l'évolution du projet, ça va prendre différentes formes selon les étapes de la séquence de déploiement. À ce niveau-ci, c'est sûr qu'on est en chie si on avait une opportunité, mais honnêtement, il y en a peu. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu de l'éco aussi dans le secteur. Regarde, mais tu sais, ça n'a pas été une demande qui a été faite à la ville. On est un des partenaires comme les autres sur la terre. Autant le Suisse, qui a aussi un grand leadership parce que tout le volet théâtre social, par exemple, avec l'attention de quartier, fait que c'est qu'on est tous assez présents.
mais c'est un grand projet. J'avais une question, je me demandais de façon générale, est-ce que les bénévoles sont venus au sein de tous nos groupes? Tout à l'heure, on a parlé des presses qu'on soutenait, puis là, dans le bilan, ben, on travaille avec un paquet d'organismes. Est-ce que vous sentez que les bénévoles sont revenus ou ça tire un peu de la patte? Ça tire un peu, mais en même temps, même pré-pandémie, le recrutement des bénévoles était déjà un enjeu. Ah oui? Oui, oui, fait que c'est, il y a une transformation au niveau de l'implication citoyenne. Les gens vont voir des fois peut-être plus un engagement ponctuel pour un événement, mais le bénévole aussi se transforme. Donc, on travaille beaucoup avec les centres d'action bénévoles, on a une entente aussi avec eux pour favoriser justement le bénévolat, les compétences des organismes pour attirer, pour recruter, pour former, pour que ça soit. C'est que ça soit agréable quand on va parler du bénévolat aussi, comment faciliter ça. Fait que tu dirais, tu sais, il y a une reprise aussi, c'est la géométrie variable selon les types de mandats qu'on peut donner. Des fois, c'est plus facile, mais des fois, c'est quand même un petit peu plus appris. J'avais un dernier commentaire. Est-ce que tu voulais intervenir? Non? OK. J'avais peut-être mon dernier petit commentaire. Nos organismes, là, vraiment, dans le district qu'on soutient, est-ce que ce serait possible de leur, peut-être possible, de nous inviter une fois par année? Parce qu'il y a des groupes, je n'ai jamais vu sur le terrain qu'est-ce qu'ils font. Personnellement, j'aimerais ça peut-être aller les saluer une fois, hein, voir comment ils sont installés, qu'est-ce qu'ils font. Donc, si c'était possible, peut-être, de leur faire un message, là. Oui, on peut. C'était beaucoup pour ma part, puis certaines de mes collègues aussi. Oui, parce que tu voulais rencontrer au moins à la fête des bénévoles, oui. Tu sais, mais d'aller voir leur groupe, des fois ça donne un autre regard sur les enjeux qui vivent, sur leur réalité. Il y a des arrondissements aussi qui ont invité les plus petits, les mandataires qui sont des grands dossiers, que ce soit un ODG, les autres jeunes. C'est aussi des possibilités, fait qu'on s'ajuste selon ce qui est ouais. Merci beaucoup. Est-ce que ça fait le tour pour tout le monde? De les objectifs de 2023? Bien, habituellement, on. Oui, bien, c'est ça. C'est à moins que des fois, il y a un nouveau projet émergent, puis on l'ajoute, mais sinon, tu sais, c'est nos éléments. Peut-être répondre, j'ai eu la réponse pour les groupes utilisateurs. Alors oui, les groupes utilisateurs, ça semble quand même bien répondre. Je ne suis pas l'acheteur d'âge, mais on va les reprendre. Donc, je constate que oui. Les travaux Victoria, Estrade et éléments de protection pour faire un vrai terrain. Ça a été initialement construit pour être un terrain de pratique, mais avec la croissance impressionnante au niveau des jeunes dans ce sport-là. On manque véritablement un petit terrain, donc c'est ce qui est souhaité. Donc, ils vont installer des estrades? Bien, oui. Estrades, éléments de protection. Exact. Fait que, okay. C'est ça les travaux, là. Oui, exact. Okay. Et effectivement, la piscine du phare nous confirme, donc ça n'a pas été. C'est ça, c'est loin. Oui, c'est loin, puis. C'est l'intérieur. Oui. C'est pour ça que l'été de Calais est très beau. Parce que je vous avoue, quand on sait de l'intérieur, moi, si par exemple, si j'avais eu un projet librement à vous faire pour l'intérieur, ça aurait été pour les camps, particulièrement. Parce que mais une fois qu'on sait ça, il y a d'autres alternatives et tout ça. Là. Mais effectivement, pour les gens, de faire du bain libre, l'été, quand il fait beau. C'est dehors. Tellement court, mais oui, madame. Merci à vous deux. Très bon bilan. Très beau projet pour 2023. On peut plus. Oui, travailler là-dessus. Merci. Merci. Installation de politique extérieure. OK. Pour le raccordement du sentier lumineux du parc Victoria. Donc, très brièvement, Loisir Fleuries, l'an passé, je crois pour la première fois, développé un projet de sentier lumineux.
Et là, ils ont demandé une assistance financière pour bonifier le sentier. Donc, ils veulent rajouter des pancartes relatant l'histoire du juif et du parc aussi. Donc, ils ont demandé un montant de 1 200 $ sur un budget de 2 400 $. Donc, est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Le projet 5.2.3, assistance, non, sans mélanger. Donc, je vais sur le 5.2.2, installation d'une prise électrique extérieure provenant du bâtiment de l'ancienne ferme pour le raccordement du sentier lumineux au parc Victoria. Donc, le dossier qui avait été présenté après, donc, ils veulent faire un sentier un peu plus grand, plus développé. Ils avaient besoin de matériel informatique, une prise là, beaucoup plus forte. Donc, c'est pour ça qu'on va donner un montant de combien? C'est un montant de 500 $ qui est recommandé pour justement rendre plus permanent le raccordement électrique pour le sentier lumineux, entre autres, durant la glissade sur Tube-Liban. C'est ça. Et ce montant-là vient du fonds dédié? Celui-là, oui, vient du fonds dédié. Et si on regarde, ben là, ça vous va, c'est le fonds dédié. 5.2.3, le montant lui provenait de quel endroit, M. Bliss? C'était un budget de la division loisirs et vie communautaire. OK. Bon, c'est pour le prochain. Le point suivant, 5.3.4, assistance financière non récurrente, centre d'action sociale et d'entraide. Je vais demander à Mme Le Parc-Marie. Oui, donc c'est un organisme là, qui a été nouvellement créé l'été dernier. Il organise une activité de Noël là, pour les enfants avec des familles moins nanties pour qu'il y ait un repas et une distribution de cadeaux. Parfait, merci beaucoup. Ça convient à tout le monde ici. Le projet suivant, donc 5.2.5, c'est une contribution financière non récurrente pour l'embellissement de la cour d'école de l'école primaire Emma. Donc, c'est quand même un projet assez ambitieux, un projet qui va demander des dépenses de 120 000 $ à l'école. Donc, il y a du verdissement, il y a des plantations, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est ça, je ne passerai pas au travers tout, là, mais entre autres, la volonté de réduire les îlots de chaleur et aussi d'adapter la cour d'école à toute la clientèle de 4 ans, parce qu'on sait là, que maintenant, il y a les maternelles 4 ans, à l'école, les mères, ils en reçoivent, mais la cour n'a jamais été élaborée, si on veut, pour cette clientèle-là. Donc, un beau projet. Le montant total qui va être donné pour l'aide est de 10 000 $ Là, ça se peut qu'il y ait une partie qui soit donnée cette année et une partie qui soit donnée l'an prochain. Donc, pour ce soir, M. Boulet, il faut mentionner le montant qui sera déboursé cette année. Donc, on était rendu à combien? Alors, je recommanderais un montant de 6 500 $ parce qu'on a un non dépensé relié à un dossier qu'on reporte en 2023. Donc, avec ce budget-là de 4 500 $ eh bien, on pourrait l'ajouter là, au montant de 2 000 $ Parfait. Merci beaucoup pour la précision. Le point suivant, donc, a été fait, 5.3.1. Donc, nous serions rendus à la levée de la séance. Oui, madame. D'abord? Oui, donc. L'Assemblée est levée. Merci à tout le monde.